Salut, salut, cher panafricaniste, cher surfeur, youtubeur et puis combattant de l'émergence africaine, c'est le Bénin de l'Indi. Alors, je suis à vous aujourd'hui pour parler de l'effondrement de cette dalle dans la construction de cet hôtel par la compagnie Mota Feijão, qui est une compagnie portugaise au niveau de Garoua. Donc, c'est un événement, c'est un incident qui s'est produit le 7 septembre. Alors, il s'agit là d'un stade, d'un hôtel 4 étoiles, qui sera un hôtel 4 étoiles, qui a été mis à la disposition de la CAN 2019 et dont la plateforme, en vue de la préparation de la coulée de la dalle, a cédé. Et par conséquent, les travaux ont été retardés, brièvement. Bien sûr, la compagnie en charge des travaux a tout au moins signalé que cela n'avait pas un impact sur l'achèvement des travaux ou alors sur les délais d'achèvement des travaux et donc qu'il devait remettre le chantier terminé à temps. Et qui devait être dans les délais. Et donc, c'est un incident qui sera facilement remédiable. C'était lors du testage, n'est-ce pas, de la résistance de l'édifice en question que cet incident s'est produit. Mais une autre lecture qu'on peut faire de cela, c'est de dire la hâte avec laquelle ces travaux se font. Bien sûr, eux, ils blâment la pluviométrie au niveau du nord, là-bas, les inondations et consorts qui ont. Selon eux affectés, n'est-ce pas, qui ont affecté, n'est-ce pas, le terrain et l'édifice en question. Et ils disent que cela n'est qu'un problème passager, donc ce n'est pas un problème général. Et donc, l'autre lecture que je disais qu'on pouvait faire de ça, c'était simplement de dire que la vitesse avec la précipitation dans l'exécution des travaux, ça peut, n'est-ce pas, mener à ce genre d'incident, ça peut, n'est-ce pas, conduire à ce genre de n'est-ce pas de d'accident. Et sur cette course de la CAN dont on ne sait même pas si on l'aura ou pas, et avec des incidents comme ça ne vient pas pour aider la situation ou bien le cas ou bien le dossier organisation du Cameroun. Mais bon, c'est ce que j'avais à soumettre à votre appréciation. J'attends vos commentaires sur cette CAN et surtout sur la précipitation des travaux qui engendrerait là des accidents. Quel impact ces accidents ont sur les travaux, sur la